Et bienvenue au deuxième after de Tous Entrepreneurs Guadeloupe. Donc ce soir, on attend 224 personnes. Je vois qu'on est bien 120. On a pas mal qui vont encore arriver tout à l'heure. Donc encore bienvenue. Merci à tous d'être là. Une très belle soirée de réseautage qui nous attend. Des contacts, des affaires, très important. Échanger les cartes, c'est vraiment le nerf de la guerre ce soir. Donc en l'occurrence, à ce jour, TEG, c'est quoi ? Mais c'est 870 chefs d'entreprise, tous avec un SIRET actif en Guadeloupe. Donc quand vous travaillez avec un membre du groupe, vous savez que vous travaillez avec un professionnel. C'est un groupe WhatsApp en mode communauté, avec en l'occurrence des recommandations tous les jours. On est monté à près d'une trentaine de recommandations sur une journée. Là aujourd'hui, il me semblait qu'on était sur une quinzaine. Et tous les jours, c'est comme ça. C'est aussi des offres commerciales que vous pouvez poser pour améliorer votre visibilité et que vos commandes voient ce que vous faites avec un principe, une remise commerciale. C'est le but du jeu. Un grand moment de convivialité, d'échange. On découvre plein de professions très variées. Et également, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des activités dans diverses parties de l'île, pas forcément au milieu de l'île Gosier, Jarry, mais j'ai rencontré des personnes de Mandalo, de vieux habitants. Donc vraiment un enrichissement, c'est vrai, un moment de découverte. Plusieurs entreprises, différents secteurs d'activité, donc des échanges concluants et des échanges qui sont très intéressants in fine, donc qui vont, j'espère, pouvoir aboutir sur du business. Alors un peu les impressions là, de cette soirée TEG, comment vous trouvez cette soirée? Alors moi j'adore, pourquoi? Parce que on rencontre des belles personnes et surtout on réseaute très très bien et ce soir moi je propose vraiment nos soirées privées de vin du Médoc. Donc j'adore notre concept TEG, merci et à très très bientôt à vous tous. Comment se déroule cette soirée? Eh ben super bien, c'est très très intéressant, on rencontre plein de monde. Bon, ça permet de réseauter avec pas mal de professionnels. Donc, est-ce que le contact se fait? Ah bah bien sûr, le contact se fait avec tout le monde est ouvert, donc c'est super. Non, franchement, super sympa. C'est un très très beau projet et moi j'aime beaucoup l'idée. Est-ce que le business se fait? Totalement, totalement. Chaque jour un petit peu plus. Bah, on a un mariage de plein de professions. On a, je pense, des gens déjà toujours enthousiastes de se rencontrer. Ça manque quand même ce genre d'événement, cruellement, en Guadeloupe, c'est un peu ce qu'on disait. Et très bien, très bien. J'ai fait à peu près 35 contacts déjà et j'arrête pas de rencontrer du monde. Franchement, je suis très ravi. Et c'est la première fois que je viens ici, mais là, ça, j'ai rempli mon contrat. Très bien, beaucoup de contacts. Dans quel secteur tu es? Alors, dans la gestion de patrimoine, pardon, et agence immobilière. Incroyable, toujours une bonne ambiance, un peu comme, en fait, comme chaque table, chaque événement, c'est super. Alors, est-ce que le business se fait justement? Oui, doucement pour moi, mais ça se fait. Ben, moi, je suis assez surpris du coup, parce que je pensais vraiment pas que 200 personnes allaient rentrer dans un endroit comme ça. Et ça rentre, quoi, c'est trop bien. Non, non, vraiment, c'est top. Il y a même un peu trop de monde finalement pour rencontrer tout le monde, mais c'est bien au niveau du business, je pense que c'est bien de se faire connaître. Voilà. Un petit mot du président, comment ça se passe? Excellente soirée, franchement super, on est 150 ce soir, ça résonne dans tous les sens, franchement, expérience à renouveler, excellent. Vous regardez ETV,